bonne ligne. Allô? Oui? Bon, partie 3, hein. Partie 3 de Broken Porcelain. Toujours avec ce fond vert qui déconne, mais quand je tourne comme ça, là, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu mieux. Bon, allez. Ouh, je sais, hein, je sais que vous y êtes habitué depuis le temps. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a pas d'objectif. C'est fermé. Rendez-vous au bureau du directeur. Ah oui, bon bah on y va. Non, le bureau du directeur, c'est... Enfin, la chambre du directeur est là-haut. Parce qu'on s'était laissé là hier, hein. Je vais mettre un petit peu plus fort pour moi. Voilà. Là, c'est très bien. Hier, on s'est laissé là. Je sais plus ce que les deux donzelles se sont racontées. Et on doit aller. Et elle a dû dire quelque chose d'essentiel. Et on peut pousser ça. Voilà. Bon, alors, vous voyez, là, pour une fois, on n'a pas perdu de temps. Hein. Tu le savais, bah, moi aussi. Et on n'aurait pas pu faire ça avec. Avec Céleste depuis le début. Déverrouiller la porte. C'est parti. Eh bah dis donc, c'est quoi ces manières? Ah, c'était juste un petit jump scare. Je vais mettre le jeu du jeu, je vais mettre le jeu du jeu, je vais mettre le son du jeu un tout petit peu plus fort. Attends, c'est où? Voilà. Did you find something? Là, normalement, ça devrait être pas No, mal. nothing. Vous allez bien m'entendre et vous allez bien entendre le jeu. As-tu trouvé quelque chose? Bah attends, je viens juste d'ouvrir la porte. T'es gentil. Oh, elle. Elle me fait bien marrer déjà. Ah oui, on est censé trouver son pognon pour pouvoir s'échapper, hein, si j'avais bien compris. C'était le plan de la nana. Je regarde un petit peu ce qu'elle fout. Déjà, là, il y a une petite bouteille de lait, là, ça m'intéresse. Bon, il y a des petits bugs de texture, mais bon. Moi, je passe l'éponge parce que quand l'ambiance est bonne, on passe l'éponge. Bon, c'est vrai que hier, je me suis rematé la vidéo. Bon, il y a des moments, c'était un peu ma faute quand même. Puis il y a des moments, il y avait quand même quelques lacunes, hein, au niveau du jeu. On peut pas se mentir. Là, ce qui est curieux, c'est que on incarne Liz. Elle peut prendre des trucs là? Non. Non, ils sont faux complets. Non, je voulais pas. Je voulais faire l'autre. Si c'est possible. Si c'est possible. Voilà. Voilà, s'il vous plaît. Oui, ce qui est curieux, c'est qu'on incarne Lisa. Je crois que c'est ça son nom, hein. Je crois que c'est son nom, hein. Donc il ouvre son pognon là au docteur. Bon, on peut courir, on a les mêmes attributs que pour. Ah, on peut regarder la photo. Lancement de Rosa Gallo et partenariat avec les associés Phenoxyl 1956. Ok. What do we Ah. have here? Ah. Intéressant. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Ah, c'est son flingue. Le flingue d'Ashman. This. Let's go crazy, would you say? Where did you find that? And what are you planning to do with it? Oh, I almost forgot. You finished it! I convinced myself that we should take part in the contest. We have to try it immediately! But how? I'll show you. Help me out. What are Montre-moi. you doing? Voilà, le micro, il est bien là.
Elle dessine des touches de piano, c'est ça? Mais au niveau de la mise en scène, le jeu est bon, Sing. hein. C'est juste une question de bug et de... En Pretend you fait, can hear the music. il y a I'll une guide you. mauvaise finition. Pardon, me tais. Dis donc, elle serait pas un petit peu, hein, un peu de la jaquette. Elle serait pas un peu gouinasse, les deux là. Bah c'est du propre. Sur Twitter, je vais balance ton port. Et sur Metacritic, je vais mettre un pouce rouge. C'est romantique. Et puis c'était bien avant The Last of Us Part 2, cette histoire, hein? Dis donc. Vous prendrez bien un peu de progressisme. We have to leave now. The window. Jennifer. Ah, un petit temps de chargement. Non, mais le jeu me plaît malgré ses défauts. Voilà, c'est comme ça. Il y a une multitude de défauts, je vais appuyer, hein, mais je vais te parler un peu. Il y a une multitude de défauts au niveau des textures qui apparaissent en retard, les bugs de collision, certains trucs. Mais le jeu, je sais pas, le jeu me plaît, l'histoire est bonne, les personnages sont bien écrits, l'acting est bon, les voix sont bonnes. Donc je passe l'éponge sur les défauts. Bon, il y a des moments, j'ai pesté, hein. La vidéo 2, là, si vous l'avez suivi, j'ai un peu pesté. Oui, il s'appelle Lynn, pardon. Fuyez avec Lynn, ah, pardon, fuyez avec Lynn en vous rendant au garage. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'il nous spoil. À la limite, on pourrait la suivre et puis elle nous dit, bon, on vous doit aller au garage. On doit aller au garage. Mais ils nous disent rien. Enfin, ils nous disent rien, ils nous spoilent tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, je peux. Là, regardez, j'appuie vers le stick arrière, mais je peux pas, ça la fait avancer, quoi que je fasse. Bon, ça, c'est des petits trucs de gameplay. Est-ce que c'est bien nécessaire? On pourrait très bien la suivre. Là, je peux pas. Là, je vous assure, j'appuie sur le stick en arrière, et le personnage avance. Ça, c'est des petits trucs que je. Bon. Le jeu est très perfectible. Mais bon, encore une fois, c'est un petit studio, hein, italien. Et donc, moi, je supporte. Oh là, putain, Lynn! Ah, c'est pas le moment là. Là, faut se ressaisir. Hein. Là, faut se ressaisir. Et ta copine là, tu vas pas la... Ah, j'ai le pistolet à clous, hein, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Fuyez avec Lynn en vous rendant au garage. Et je peux pas ouvrir. Peut-être que je peux utiliser mon pouvoir pour passer quelque part. Ah, je sais qu'à un moment donné. Ouais, vous allez me. Oh putain! Putain, j'ai couru, hein! Il m'aime pas, il m'aime pas.
to build up some energy. J'ai pas lu qu'est-ce qu'elle a dit. Et il y a des bugs. Hein. Le personnage disparaît. Pas vu là. Oh putain, si. Putain, il me met cher. Hein. Est-ce qu'il. Là, j'ai un couteau. Pas vu là. Putain. Bon, ça lui fait rien. Ah putain. Et ça le... Eh merde. Et là que le personnage disparaisse à chaque fois qu'on se fait choper, bon, il y a des bugs, hein, et voilà, c'est un jeu qui aurait mérité plus d'argent. Bon, faut qu'on se cache. Bon, là, je me fais pas avoir. Oh, j'ai encore reçu un texto d'Olivier Duhamel. Ça suffit là, je peux rien pour lui. Suffit cette histoire. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Déjà je vais me cacher. Putain mais pourquoi il veut pas rentrer dans le truc? Il y a des casiers où il veut bien, puis il y a des casiers où il veut pas. C'est super énervant. Hein. Là, je peux pas faire mon pouvoir. Ah, faut se cacher le temps que mon pouvoir se régénère. Pardon, j'avais pas bien lu. Stop, Elisa.
Ça me paraît curieux, hein. Ouais, je suis caché là. Céleste, on est caché là. Non, et vous plaignez pas sur le chat, hein, là, je vois encore qu'il y en a. Je vois encore qu'il y a, il y en a encore quelques, il y a quelques zigotos encore qui se plaignent. Mais ouais, bien qu'il faut qu'on attende que le papillon se remplisse. Hein. C'est pas parce que vous me faites des dons de 100 euros à chaque fois que je suis obligé de suivre vos consignes. Hein. Je suis désolé. Hein. On va pas être copains. Hein. Pourquoi il crie et il est pas là, là? Voilà, il y a des imperfections. Voilà, ça faut le savoir quand on joue à ce jeu-là. C'est un petit studio. Il a eu des récompenses quand même, ce jeu, au niveau de l'écriture et tout. Et, mais il est perfectible, voilà. Il faut dire les choses. Qui aime bien châtie bien. Moi personnellement, je fais abstraction parce que je sais que ça doit pas être simple pour un petit studio. Même si encore, il y a des choses, il y a certains bugs, c'est difficile de se dire que le jeu a pu sortir comme ça. C'est bon. Là, on va sortir. Pas compris. Voilà, enfin. Ouais. Non, mais c'était ça qu'il fallait faire. Putain, il faut, je suis pas assez près. Ah, c'est bon. Putain. Et j'ai même réussi à avoir le petit trophée. Toi, t'es vraiment une saloperie, toi. Hein. Le v'là. J'ai perdu une fondeuse. Des coups à chaque fois. Attends, c'est quoi? Fuyez avec Lynn, battez personne et protégez Lynn, fuyez avec Lynn en vous rendant au garage.
Putain. Merde. C'est pas clair à chaque fois, hein. Oh, j'espère qu'il y a un checkpoint. Hein. J'espère qu'au moins il y a un checkpoint. En fait, on s'accroche parce qu'on a envie de savoir la suite de l'histoire. Je me fais toucher direct. C'est ridicule là. Il y a toujours un truc qui va pas en fait. On comprend pas ce qu'il faut faire. C'est agaçant quoi. Mais pourtant je suis un mec qui joue bien. Hein. Thank you.
Il est mort. Il est parti. Mais là c'est ridicule quoi. Ça fait déjà plusieurs fois de gameplay où ça foire comme ça. Voilà, je fais mon maximum. Hein. Pas vous mentir, il y a des moments Ah ça y est, on l'a eu. Fuis l'auberge. Alors là voilà, c'est on sait pas vraiment mais bon, on l'a fait. Elle est en colère contre moi là. Open wings, a moth is a place. When his mother screamed that much, blood red bestowed its touch. I told you to leave. To leave this godforsaken place. What the hell was that? They found us. Mais merde, je veux pas. Oula, 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 oula. Il y a eu un accident là. Là, il y a eu un accident. J'ai eu un trophée en me disant que j'étais un excellent joueur. C'est curieux, hein, j'ai un nouveau fond vert et ben il l'accepte absolument pas. Avant ça allait, et puis là, je sais pas. Cette couleur-là ne lui plaît guère. We needed that girl. She was our only hope of getting rid of porcelain. You knew it very well. Jennifer was your daughter. From what I know, you liked her too. Mais comment il peut parler s'il a la langue coupée? You need to shut your mouth, you fucking rapist! How vulgar. Felton does. Ah non non, c'est Ashman. How could I have known that he was still capable of conceiving?
I thought that fucking him was enough to remind him that he is just a pussy. And to punish him for stealing Ariana from me. Ah, c'est glauque. Son of a bitch! It was you who insisted so much that I reminded you of the whole story. At the end of the day, we're just chatting, isn't that right? Jennifer, I have to stay. What does that mean? You want to quit now? We are in deep trouble, can't you see? Let's leave our troubles here. Let's leave. We can start over. I can't do it. I can't do it. What about us? The contest? Do you not understand? You have to leave. Holy shit, Lynn, no. There's no use. They will never let us leave. I belong to this place. Lynn, you have to listen to me. Put that thing away. Dis donc, les enfants, c'est dangereux là de jouer avec des armes, hein. J'ai l'impression que c'est elle, Céleste. Pourquoi elle enquête sur elle déjà? If I'm being honest, it would have been better for everyone if you had done it that same night. Lynn! Lynn! You won't do it, Mr. Ashman. Oh, yes, Lynn. I will. Of course I will. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? L'idée des flashbacks est pas trop mal. La mise en scène est bonne. La construction. Madam? Would you like to stop? I doubted myself so many times. I often pondered on it. Believe me, would I have had the same courage? How does someone who's about to lose everything feel if that person has already lost everything once before? I would have done the same for my sister. If only I had a chance. Ah oui, parce que depuis le début, on ne sait pas qui est ce type hein, qui parle avec elle. Et on ne sait pas qui elle est, en fait, hein, Reed, là. Pourquoi elle enquête? Pourquoi elle veut retrouver Céleste? C'est quoi? Quel est son terrible secret, bordel de merde? Et lui, cet homme-là, il parle de sa sœur. Il la questionne depuis le premier opus. Tormented, Remother, Tormented Father. Why are you so obsessed? Do you not see what this insatiable server has led you to? I was only a child. You and Wyman. You used me. The nuns. Gloria. She was your sister. Shut your fucking mouth. Do it. Please, shoot me. Come on. What will the young lady at the reception desk say? The young lady at the what? Who the fuck are you talking about? Five p.m. Poor thing. She left just after your arrival. There's no one else here besides you and I. Well, almost. We're so happy you came back, Lynn. Like old times, remember? Only between old friends. You don't deserve to die. You deserve a much worse ending. You deserve to suffer by living in agony. As I did for the past 19 years, by rebelling during the last hypnosis.
The one that should have stopped Gloria and her Acherontia. It only slowed down things. The after effect that Wyman feared. The fracture. The porcelain phase. Nevertheless, you were somehow left linked to one another. And now you are once again a single being. A unified conscience. Let me out of here! Do you not understand that you have come back because he wanted to? And whilst Felton and I desperately searched for a way to use Phenoxyl to forget, Wyman replaced the holes in our memories with his own. He inserted his conscience in our minds. And do you know the reason why he did it, Lynn? Fuck off! He was diagnosed with Alzheimer's disease. Now you are his biggest inheritance. Attends, comment Lynn peut être là alors que moi je suis là? Libérez-vous du fauteuil roulant. I just want to get away from this place. I have to keep trying. Ah, elle c'est Lynn. C'est ça, hein? The remote! Come on, Reed. You can do it! Elle recherche son ami, alors. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Bon, on peut aller que de... On peut pas vraiment le piloter. Mais c'est une bonne idée, quand même. Oula. Yes, the door. It's giving in. I have to keep trying. Il y a des bonnes idées. Il faut passer l'éponge sur les défauts, sur les bugs, sur plein de trucs. L'histoire est bonne. C'est très malsain. Mais quoi ? Il faut que je prenne plus d'élan. Moi je veux bien. Hein. Bon, on va se faire plaisir là. Ouais voilà. En fait c'est ça, voilà. Il y a toujours un moment donné où le jeu il déconne. C'est con, l'idée était bonne. Et puis en fait à chaque séquence de gameplay il y a un problème. Alors que les idées sont bonnes. Pourquoi là ça veut pas péter la porte? Regardez, je vais foncer dedans. Ah ouais. Et là, je sais pas pourquoi ça a fonctionné. Je me suis un peu mis plus sur la gauche. En fait, elle, c'est Lynn. C'est la copine de Céleste. J'ai envie de même prendre la boîte pour voir si c'est... Non, elle s'appelle Reed. Fuck you! Fuck you, you piece of shit! But it is you who complete the puzzle. You were the missing piece. Putain, on est où là? Ah, on est retourné au... Oui, je connais le manoir. Là, c'est la chambre d'Ashman. Alors, déjà, on va essayer de se trouver des petites armes. Un carillon. However, she is no longer here and cannot help you. There is nothing you can do to free yourself from this limbo, from your hypnotic loop. The three of us are linked by the hypnosis. Ah, c'est la chambre. Ah non, ça n'a rien à voir, on est où là? Ok, il y a un coffre à reconnaissance vocale. C'est chiant que le jeu nous spoil à chaque fois ce qu'on doit faire, putain. La gardienne.
Keeper. Ceux qui aiment se souviennent toujours, préservent toujours. Non, ceux qui aiment se souviennent toujours, préservent toujours. Le nouveau chef-d'œuvre de l'auteur à succès, Madame Zvenska. Ok, donc là, il y a un coffre. Mais c'est, ça ressemble carrément à la chambre d'Ashman. Ok. Les personnes qui sont sur le chat, je dis ça pour faire le malin, la personne que je vois qui est en ligne, si elle pouvait me dire si le son est assez, le jeu, si le son du jeu est assez fort, ça serait super gentil. Et si ma voix est pas trop forte. Si c'est possible. Ça serait bien urbain. Why won't you give up? Don't you understand we're all part of the same thing? Accept it. Ouais, on est retourné au. Oui, je reconnais. J'ai toujours mon pouvoir. Ah, en fait, elle a pas de pouvoir, elle. Donc c'est pas, voilà, elle est pas céleste. Bon, ça, là, c'était la laverie. Lynn. Useless. Celeste, Jennifer, however you prefer, she. On va continuer. However, she is no longer here and cannot help. Qu'est-ce que je dois faire? Cachez-vous pour échapper à Porcelain en attendant que. Putain, c'est. Voilà, c'est ce genre de bug, c'est pas possible quoi. Moi je passe l'éponge, mais bon, je comprends que il y a des notes catastrophiques hein, sur Sens Critique. Je l'ai dit hier, mais sur Sens Critique, il a 2,5 sur 10. Alors c'est très très sévère parce que franchement, le jeu mérite mieux. J'ai pas été voir la porte là-bas. Non, c'est fermé. En fait, c'est juste au niveau de la finition. Parce que l'histoire est vraiment prenante, sinon j'aurais arrêté de jouer hein, si c'était pas bon. Mais il y a des défauts dans le gameplay en fait. Il y a des erreurs. C'est dommage. You're the one who wanted all of this. This is your anchor. Don't you understand? Where is your push? Ah, ça me fait penser à Creepshow. Terrifiant, le pendu sifflant. D'après la légende, le vieux professeur Wiman s'est pendu en sifflant un air inquiétant juste dans la mort. Son esprit continue d'errer en tourmentant sa famille et ses voisins, en sifflant pour annoncer sa présence mortelle aux malheureux qu'il croise et qu'il condamne à finir comme lui, pendu jusqu'à la mort. Ok. Bon, on en aura. Putain. Et voilà, par exemple, voilà. Ça c'est manifeste. Pourquoi par exemple, on est designer. Pourquoi là le personnage ne peut pas passer, quoi. Enfin, c'est. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a aucune raison que le personnage ne puisse pas passer ici. On recule un tout petit peu le siège, et puis voilà, mais là. Non. Ces petites erreurs comme ça accumulées qui, au bout d'un moment. Ont dû énerver plus d'un. Il y en a encore une. Voilà, on a pris la bouteille puis elle est encore là. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Ok. Mais bon, encore une fois, moi je trouve que malgré tout ça. Ah oui, c'est un truc à reconnaissance vocale, donc. From your hypnosis.
hypnotic loop. Là, c'est la cave. We form a single consciousness. On a un câble. Faire défiler. On peut fabriquer une meilleure aveugle l'ennemi un petit moment. Que j'aille sur celui-ci, oui, aveugle l'ennemi, description de l'objet, aveugle l'ennemi un petit moment. Enfin, vous voyez pas bien, mais là vous voyez. Et si je vais sur le cap, c'est marqué aveugle l'ennemi un petit moment aussi. Bon. On va garder ça pour si on trouve un couteau. Ah là, on peut pas. Bon. Non mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est terrible, c'est que malgré tout ça, le jeu me plaît énormément. Il y a une ambiance, il y a quelque chose, les personnages sont dégoûtants, le mec il a été forcé de changer de sexe. Ah bah tiens, on va pouvoir sauvegarder, c'est parfait. Le mec a changé de sexe, ses parents l'ont forcé à changer de sexe, mais en même temps, il est quand même la mère et le père de sa fille, enfin... Et violé par Ashman. Enfin, briser la chaîne. Damn, it's locked. Ok. Ok, donc là, on n'a plus rien à faire là. But it is you who complete the puzzle. You were the missing piece. Là, nous y sommes allés. Là, c'est la chambre de Ashman avec le coffre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, je préfère prendre la... There is nothing you can do to free yourself from this limbo. From your hypnotic loop. Locked. Putain, c'est fermé aussi. Attends, je vais regarder mes objets. Il faut que j'aille enregistrer sa voix, mais il est où? Je pense que c'est ça. Hein. He wanted you all to himself. Wyman is inside of you. You are porcelain, his greatest inheritance. Et pareil, là, l'idée que... L'idée que qu'il n'arrête pas de parler tout le temps... Je suis pas allé là. Ah putain, c'est fermé. Mais en fait, même au niveau de la localisation spatiale des voix, ça change de tout le temps, on sait pas où il est. On l'entend à des endroits où ça c'est pas possible en fait. La Genta, c'est qu'est-ce que... Why won't you give up? Don't you understand we're all part of the same thing? Accept it. Aveugle l'ennemi un petit moment, vous voyez, mais c'est pas possible que ça fasse à chaque fois la même chose. Voilà, j'ai fait une tasse plus robuste. It was not anchored in this place, but it is you. Bon, je vais essayer d'utiliser à tout hasard ici. Non, utiliser ça fonctionne pas. En fait, on bloque à chaque fois parce que c'est. Bah, il y a une erreur quoi. Il y a des erreurs dans le jeu.
Ça c'est quoi Les câbles, je vais pas les utiliser donc. Jennifer, however you prefer, she was your only push. Ah. She is no longer here. Là, il y a le speaker. There is nothing you can do to free yourself from this limbo, from your hypnotic loop. En fait, on l'entend, voilà, de... J'étais un peu mauvaise langue, en fait, on l'entend du... Ah, il y a un couteau, là. Voilà, c'est ça qu'on aurait dû upgrader. Objet de diversion, objet de défense... Fabrication, ouais, du coup on peut plus rien fabriquer. Mais bon, au moins on a un couteau. Voilà, là en fait, voilà, j'ai été mauvaise langue. En fait, on entend dans le. Dans le speaker. Bah, je vais essayer de revenir en arrière. Je vois que ça. This is your anchor. Ah non, là on a forcé. Il y a un petit papier là. Non mais moi je vais reprendre la tasse. C'est ma tasse super puissante. Et c'est comme hier, j'ai perdu un temps fou, bah, à essayer de... J'ai compris hein, qu'il fallait que j'enregistre la voix du mec pour pouvoir ouvrir le coffre. Hein. Mais le mec, ça va être encore un truc à la con. Ça se trouve faut aller près d'un speaker et puis d'enregistrer. Mais bon, j'ai essayé de le faire, vous voyez. Ça marche pas, enfin je suis pas idiot non plus. Et en même temps, je me dis que si moi j'ai ce genre de souci, je pense que tout le monde a le souci quoi. Parce que bon, j'ai 41 ans, j'ai bon, en toute humilité hein, mais bon, j'en ai fait des jeux vidéo quoi. Je peux plus con qu'un autre quoi. Donc là, oui, il y a la voix. Je prends l'objet. On pourrait croire que ça va enregistrer, puis après on pourrait croire qu'on enregistre la voix et puis après on va au coffre quoi, genre là et puis. On en arrive à faire des absurdités, voilà, d'utiliser là. On sait pas quoi faire. Ah, ouais. Là, qu'est-ce qu'il y a par terre? Non. Ah, infecticide, et là, on peut pas aller prendre ces petits trucs. Bon, j'ai une bouteille un petit peu plus costaude. Bon, là où le jeu est un peu plus sympathique que le précédent, c'est que c'est plus simple. On peut s'enfuir. Bon, on meurt moins... Enfin, j'avais envie de dire... Sinon, je suis mort plein de fois, mais... C'est le fait de s'échapper est plus simple. Non mais regardez là, il y a le speaker, je suis pas idiot quand même. Elle a pas son pouvoir. Over here. Pour sûr, c'est ça. Bon, je vois, j'ai dû louper quelque chose en bas. Hein. J'ai été à peu près partout. Puis à chaque fois, c'est un truc à la con. Hein. J'ai rematé la vidéo hier. Ah,
are the missing piece. Voilà, super sombre, je vois rien. Non, là, je peux rien faire. Voilà, c'est ça, c'est que je perds un temps fou pour des bêtises. Et là, c'est quoi par terre? Le carillon, non. De toute façon, c'est la même. Et là, je sauvegarde encore. Malheureusement, ça me le fait pour chaque séquence de gameplay. Ce qui peut être une bonne idée est gâché par une espèce d'amateurisme de... Bah, j'ai pas envie de dire amateurisme, hein. Moi je fais pas de jeux vidéo, mais... Mais on sait pas, quoi. Crap. On sait pas. Alors après on fait par élimination, on fait tout quoi. Souvent j'ai remarqué que je marchais trop vite et puis il y avait un X qui apparaissait puis que je voyais pas. Bon, et on n'est pas idiot quand même, putain. On a l'inter... Il y a un coffre à ouvrir, on est d'accord? Pour ouvrir ce putain de coffre, on a notre magnétophone qui était dans notre sac. Donc il faut bien qu'on utilise le magnétophone pour enregistrer sa voix. Mais bah pourquoi là il veut pas l'enregistrer sa voix? Ça serait facile. Non, il veut pas utiliser. Je peux vous assurer que... C'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Il y a une putain d'ambiance. Moi, j'adore ce genre de jeu. J'ai adoré le premier, malgré tous ses défauts. Mais là, il y a un moment donné. Puis lui qui répète toujours la même chose. Faut être. Enfin, je comprends les gens qui abandonnent, quoi, vraiment. Je comprends, pour ceux qui se foutent de ce genre, qui se foutent de ce genre de jeu, qui se foutent de, des ambiances et tout. Le mec qui joue à The Last of Us Part 2, qui se pointe, qui arrive là-dessus, il y joue 5 minutes, il se barre. Mais bon, moi je suis pas ce type de joueur, je cherche autre chose. Lynn, it's useless. The last... Ouais, c'est super énervant. Hein. Et puis je vais pas regarder sur internet, hein. Je regarde jamais sur internet. Alors peut-être que pour vous, en voyant la VOD, ça vous paraît évident ce qu'il faut faire. Mais pour moi. Tiens, je te pète la porte. Non, mais je suis. Non, mais faut que j'arrête de focaliser sur ce que j'ai déjà fait, parce que ce que j'ai déjà fait ne sert à rien. Ce que je vais faire, c'est que déjà je vais allonger mes jambes. J'ai la chance d'avoir un fauteuil qui est très très bon et qui permet d'allonger ses jambes. Je vais remettre le micro. Voilà, là, comme ça on est très très bien. Bon, encore une fois, désolé pour le fond vert. Non, voilà, je vais me mettre comme ça, voilà. Là, je suis très bien, il y a le micro qui est pile là. Là, c'est parfait. Voilà. On peut passer par la fenêtre, non? Bon, en même temps, moi, j'ai envie de vous dire, ça me dérange pas d'être bloqué parce que j'aime l'endroit. Le seul truc qui me fait chier, c'est qu'il n'arrête pas de répéter inlassablement le même truc, comme dans le premier. Je comprends pas qu'ils aient pas appris de leurs erreurs du premier, quoi. Les bugs de collision, le personnage qui répète tout le temps le même truc. Dans le premier, j'ai failli abandonner.
understand we're all part of the same thing? Alors peut-être qu'il faut qu'on commence par briser la chaîne du salon. Accept it. Hein? Alors je comme un con, je vais jeter un truc dessus, mais je sais que ça va pas être ça, quoi. Un truc qu'on s'en fout. C'est quoi ça? Ah, c'est mon... Ah putain, c'est ça, putain. Non mais regardez, le truc blanc qu'on voit là, je croyais que c'était un objet, regardez la bouteille. Vous voyez là, je suis en train de les faire défiler. Et là, le truc blanc, putain, il pouvait pas le faire mieux, c'est mon truc pour enregistrer, donc il faut faire comme j'avais dit, mais il faut aller en dessous. Lynn, it's useless. The last Jennifer... Bingo! Or however you prefer. Son of a bitch keeps rambling on and on. However, she is no longer here and cannot help you. Donc c'était bien ça. You can do to free yourself from this limbo. From your hypnotic. C'est bien ça que j'avais en tête, mais comment voulez-vous que regardez vraiment la boîte à musique, la bouteille, et puis moi j'étais sûr, bah d'ailleurs maintenant il y est même plus. Dans les objets, regardez, il y a même plus le... Enfin bon, bref. Why won't you give up? Don't you understand? He wanted you all to himself. Bingo! Wyman is inside of you. Alors, il y a le métronome, il y a le flingue. His greatest inheritance. Bastard. If it's a hypnotic loop that you are after, trust me when I say that you're going to get one. Ok. Ah, il a disparu. Now we're talking. Elle a pris le flingue. Très bien. Là, il dit rien. La partition de... Au sommet de la gloire, objet ramassé, d'accord. Et là, le un dossier classé. These are all Phenoxyl documents. This is proof of all the experiments they carried out. The results, even the names of every single person involved in this mess, including all the young girls who went missing before they found Jennifer. Et le truc, elle en pleine tronche qui pixelise. Ok, et maintenant, cachez-vous pour échapper à porcelaine. Vous voyez, là c'est marqué cachez-vous pour échapper à porcelaine, mais il n'y a pas porcelaine qui est là. Et puis déjà, pourquoi nous dire qu'il s'appelle porcelaine? On pourrait le deviner, enfin, ça nous spoil. Briser la chaîne du salon. Ah bah, j'ai le flingue maintenant. Bon, je vais faire une sauvegarde. C'était où déjà la sauvegarde? C'est là. Bon, très bien. Bon, ce qui est bien, c'est que les sauvegardes sont rapides. C'est un de ces soldes. Pardon. Son of a bitch! Bon là je pense qu'on peut passer, comme d'habitude. Oula oula oula. Putain, vous voyez, ça bug au niveau de la caméra. Et là, je suis bloqué. Là, je suis bloqué parce que je vois même pas où il est. On voit plus rien. Mon personnage avait complètement disparu.
Là encore une fois, ah putain, c'est vraiment, c'est dommage. C'est dommage, là, regardez, mon personnage a complètement disparu. Je peux même plus courir, là c'est bloqué, je vais crever. Là, la bouteille de lait, évidemment, c'était le meilleur truc à faire. Et là, je suis bloqué dans le meuble. Et mon personnage... Attends, je regarde ce qu'il faut que je fasse. Retourner voir Monsieur Ashman. Ouais, mais... que ça lui faisait que dalle. Bon, là c'est fait exprès là. Voilà. Ça fait partie du scénario, je commence à comprendre un petit peu ça. Pourquoi on a été téléporté là? Oh là, c'est problématique là quand même. On a été téléporté. Are you going to threaten to kill me? Il manque un truc là. Go ahead. On est passé directement. I know very well that you never lost track of Jennifer. That you've been following her movements since 1973. Fuck off! Where is she? And how many other Jennifers came before her? How many, Ashman? Il n'y a pas de son quand il court. C'est dommage, alors que c'était bien fait, bien vu quand elle marche en même temps. Que le reflet soit le Wyman. Il n'y a plus de son là. Artistiquement, c'est bon, hein, c'est, mais il y a trop de problèmes, quoi. Oh là, petit bug encore. Les autres Jennifer. Il y a eu d'autres Jennifer. Ok. Décidément, là, mon fond vert, j'en suis vraiment désolé. Je sais pas si je peux faire quelque chose avec la lampe. Si je mettais la lumière sur... Je vais essayer un truc. Je vais essayer de mettre la lumière juste sur ma tronche pour voir si c'est un petit peu mieux.
pas terrible. En fait, ici, ça va. C'est là que ça merdouille. Bon. On va essayer de faire abstraction de ce fond vert de merde. Prochain jeu qu'on fera, on continuera sur OBS. Hein. Putain, je me trompe de contrôleur. Bon, on continue. Excusez-moi. C'est pas possible. C'est le Red Nun's Convent. Donc là, c'est suite à l'accident de bagnole. Hein. Un petit peu difficile à suivre. Là, là je trouve une brique. Lynn! Puis là, tout à l'heure, non, franchement, là, je vais revenir un petit peu, mais tout à l'heure, quand on s'est fait choper en ouvrant la porte, le Wyman est arrivé derrière nous, on lui a tiré une balle dans la tête, et d'un coup, on a été téléporté. Enfin, il manque une cinématique, là, au moment où on rentre dans la chambre. Enfin, combien on en a des briques là, ça fait, on en a deux. Ah bah non, encore une, ouais, encore une. On peut ramasser indéfiniment des briques. Vous voyez là, enfin, comprenez. Everything was burnt. Regardez, il est encore en train de dire que je suis en train d'en ramasser parce que j'ai appuyé 1000 fois sur le bouton. Enfin. C'est fou, hein, ce que. Enfin, on a envie de dire que c'est pas des perfectionnistes, quoi. C'est quoi là? Lynn! Was Lynn one of them? Lynn's Day, apprentissage de Cristo Morente. Ah, c'était une religieuse? Une nonne? J'ai quoi comme arme? The stairs collapsed. Ah, j'ai plus le... Vous voyez, là, par exemple, il y a eu l'accident de voiture, mais on n'a plus le pistolet à clou, quoi. Et puis, comment ça se fait qu'on a un accident de voiture, puis qu'on arrive pile au mot, là, à l'endroit où ça a été... Et qu'on arrive pile... On a un accident de voiture au bout de 3-4 km, et on est pile à l'endroit où il y a eu le feu. Gloria and the others... They had all gone mad. Wasn't there another way to stop them? Look what they did to us. Gloria Ashman. First they made us blind, then they drugged us and burned us alive. We will forever be in debt with you for giving us our freedom back. But now, go away. What does it all mean? This photo... Was Lynn one of you? We don't want to hurt you. But this is our game now. It is no longer any of your business. Go away, Jennifer. Go fuck yourself! Where the fuck is Lynn? Where? What have you done to her? It was your last chance, and you wasted it! I have to make sure they don't find me! The moths are protecting her, but it looks like they retreat from the fire! Je comprends mieux pourquoi ils nous ont filé des... Voilà, c'est pareil en fait. C'est très très amateur. Ah, on a enfin le pistolet à clous. Quoi, il va nous courir après comme ça? Vraiment? Non mais c'est ridicule. Pardon mais... Regardez. The moths are protecting her, but it looks like they retreat from the fire.
dirait qu'il se retire avec le feu. On sait même pas si ça lui fait des dégâts. En fait, voilà, à chaque séquence de gameplay, bah, il y a... C'est con, parce que si c'était bien fait, mais je veux dire, normalement bien fait, quoi. Un truc qu'on comprend, ce qu'on doit faire. Battez la religion, cachez-vous pour échapper à Porcelaine. Vous voyez, c'est toujours marqué cachez-vous pour échapper à Porcelaine, mais ça fait 1000 ans, ça, qu'on l'a déjà fait. En plus, je suis en contact avec Chris Daryl. Il m'a plus ou moins proposé d'écrire. Enfin, je devrais peut-être pas en parler, mais d'écrire un résumé des deux premiers. J'aime beaucoup l'histoire. Donc, je suis un peu embêté qu'il y ait autant de bugs. Ça me fait de la peine pour lui. Sachant qu'il a beaucoup de talent pour ce jeu, quoi. Au niveau de l'écriture. C'est moi, je suis auteur, je vous l'ai déjà dit, quoi. Vous tapez Romain R. Martin, vous verrez, j'écris des romans noirs. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi, c'est que je suis intéressé. Et là, je me sens très embêté par ces erreurs. Non, mais là, il y a un truc à faire que j'ai pas compris. Hein. Non, bah, mon pouvoir, je peux pas le faire, donc ça, c'est sûr. Je peux la toucher quand elle tire, quand elle fait son lance-flamme de merde. Voilà. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle peut pas me toucher. Hein. Je suis relativement safe. Oh, je suis mort. Bon. Ah, faut s'accrocher. Hein. Faut bien serrer l'élastique du slip et faut bien tenir tout. Ah, c'est pas simple. En plus avec ce fond vert de merde. Mais il y a forcément un truc que j'ai pas vu ou... Non mais là Ah putain mais the moths are protecting her, but it looks like they retreat from the fire. Mais on dirait qu'ils se retirent du feu, mais ça veut rien dire. The moths are protecting her, but it looks like they retreat from the fire. Voilà, il y a des moments où je la touche, quoi. J'ai l'impression que c'est ça, mais... Pourquoi je vais tout le temps la... J'essaie de faire ça, hein, mais... Ça, c'est vraiment mais, le niveau zéro du gameplay, quoi. D'un coup on est carbonisé alors que bon
Là, c'est vraiment le... C'est quasiment un cas d'école qu'on pourrait montrer de ce qui, de ce qu'il faut pas faire en termes de gameplay. Et vraiment, je fume un peu. Hein. De toute façon, on n'est pas 50 000 sur le chat. C'est vraiment exactement tout le contraste entre le scénario qui est génial, les dialogues, tout, et ce putain de gameplay. Alors que les idées sont bonnes, hein. Le combat contre la nonne, on a envie de le faire. Hein. On a envie de le faire. C'est intéressant. On sait que c'est Gloria. On sait qu'on l'a tué dans le premier. On l'a défenestré. La fin était bonne. They're coming. The moths are protecting her, but it looks like they retreat from the fire. They retreat from the fire. Putain, mais ça me gonfle. Et en plus, elle dit que les papillons la protègent, mais on les voit même pas. Putain. J'arrive pas à trouver une technique safe. Ça m'a l'air bien. Ah putain, c'était... C'était pas Gloria. Céline. Ah bah avec tous les clous que je t'ai mis dans le cul... They deserve to be punished. Where are you? Show yourself! You're not so different from the others after all. Then again, you are a Felton. I will go away. I will go away. But Lynn is coming with me. You are free to do so. We are free to do so. If you're not with us, you're against us. Et oh là, oh là, Lynn. Étourdissée. I have to be quick. I have to find that fucking bitch there upstairs. Elle est I où? Know she's there. Maybe I can use my power. Ouais, voyez ça. Non mais voyez, voilà. Vous comprenez? C'est à croire qu'il n'y a pas eu de bêta testing, quoi. N'importe quel joueur commence ça, bah, il meurt en 2 secondes, il comprend pas. Le temps qu'on lise ce qu'il faut faire. Enfin, j'ai compris, il faut aller faire chier la nonne. Étourdissée de Vermiline. Je dois être vite. Je dois trouver cette fucking bitch là upstairs. Elle est où? Ben, j'ai étourdi Lynn là. Darren, help me! Je comprends rien. Et alors? Qu'est-ce qu'on faut? Attends. Étourdissez, désarmer Lynn, utilisez l'effet papillon. Darren!
controlled by her. I have to find her and stop her at once. Mais les personnages disparaissent. Ben voilà, je l'ai désarmé là. Putain, mais... on comprend pas. Elle est où l'autre? Et là, pendant qu'elle fait ça, je peux la désarmer? I have to find a way to stun her and disarm her. Et le personnage disparaît, non mais ça c'est super énervant quoi. Et là je peux la désarmer. En fait j'ai compris ce qu'il faut que je fasse, mais... Lynn est contrôlée par elle. Je dois la trouver et l'arrêter tout de suite. Voilà. Non mais... ça m'agace, hein. Vraiment, c'est très très énervant. Help me, I beg you. Moi, j'ai fait les, j'ai tout fait là. J'étais. C'est bon là, faut le faire plusieurs fois, c'est quoi? Puis en plus on rentre dans le personnage, vous voyez, enfin au niveau de l'immersion, c'est vraiment... Regardez, on peut même pas le faire si on lui rentre pas dedans, quoi. Lynn, I beg you, stop it, it's me, Jen. Oh, c'est ridicule, hein, ce que je suis en train de faire. Mais... à chaque séance, de... chaque truc de gameplay, c'est ridicule. Regardez, on peut même pas... là c'est même, je suis bloqué. Là le personnage disparaît. Oh là 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 là. Mon dieu, mon dieu. Et là... regardez, ça fonctionne que si on est... et là qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux pas la désarmer là, non mais sans déconner quoi. Go home. Jen, help me!
peut-être pas le moment de faire ça. C'est dommage parce que ça casse tout le... Ça aurait pu être vachement bien et puis bah... Là franchement... autant le premier... Vous voyez, là, on est à l'intérieur d'elle. L'autre, elle est où? La vieille. Bah, elle a complètement... Alors, elle a complètement disparu. Ah non, elle est là. Elle est où? Quoi, faut lui jeter une pierre, enfin. Ah, j'en ai plus. On sait même pas qui est notre ennemi. Ah, moi je viens de désarmer, mais c'est... en fait ça serait très simple de te désarmer. Hein. Je te prends ton arme, hein, c'est tout. Là, ça commence. Enfin, là, j'aimerais. Enfin, c'est. Je sais pas ce que je vais pouvoir dire. Je sais pas ce que je vais dire à Chris Daryl quand je vais lui parler en par mail. Mais là, de toute façon, Mais là, je suis vraiment très mal à l'aise parce que franchement, c'est pas possible, quoi. Autant j'adore le scénario et les personnages, autant là, bah c'est ni fait ni à faire. J'ai jamais joué. They mustn't find me. Darren, help me! Lynn is being controlled by her. I have to find her and stop her at once. Eh bah j'ai compris, hein, mais bon. Je comprends pas. Elle est où la vieille? Darren, help me! Il y a peut-être autre chose à faire, je sais pas. Regardez, elle est là. Et je peux rien faire que si. Je peux faire quelque chose que si je suis dans elle. Ouais, voilà, et quoi. I have to concentrate. I can do it. Mais je can do it quoi? Oh là là, j'ai l'impression d'avoir perdu 1000 ans sur ce jeu à pas savoir, quoi, à pas comprendre. Ça m'agace, là, franchement. Là, je peux. Raisonnablement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est. J'ai pas envie d'être grossier. J'ai pas envie d'être grossier, mais. Mais là... Là, il faut lui envoyer une brique. Moi, je veux bien. Hein. Sont où les briques? J'en ai déjà envoyé, ça a servi à que dalle. Et puis en plus, regardez, on... Coming. On a du fil de fer, mais ça sert à quoi d'avoir du fil de fer ici, enfin... Voilà, là on ramasse des briques, très bien. Peut-être qu'on peut se casser, I have to concentrate. I can do it. Oui, mais I can do it, quoi. J'ai ça, des pelles, des trucs, j'en ai, hein. Il faut que je le fasse quand elle est à un endroit où je peux lui envoyer une pierre, genre là. J'essaye de comprendre un peu ce qu'ils ont voulu faire. Ah putain. Voilà, il faut le faire au moment où c'est... Bon. Allez, on se mine. Voilà.
l'ai eu là. Alors, ça se trouve, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Mais bon. Je dois trouver cette garce à l'étage. Ben on l'a trouvé la garce à l'étage. Quoi, il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. Puis en plus quoi, qu'est-ce qu'il y a? Y'a personne qui me veut du mal là, enfin. Oh là là là, c'est catastrophique. Hein. Là franchement. Malheureusement, je comprends les notes. C'est qu'à un moment donné, c'est quand même un jeu vidéo. Et le scénario ne rattrape pas tout. Vous êtes bien courageux de me suivre hein, et de continuer. Ouais, alors, ok. Upstairs, ouais, ouais, voilà. Et une fois que je l'ai fait, regarde, par exemple, hop, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit rien. C'est ridicule. Hein. I have to find a way to stun her and disarm. Help me, I beg you. Non, puis en plus, il... enfin bon, je vais répéter mille fois les mêmes trucs. En tout cas, ceux qui regardent la vidéo, la VOD sur YouTube, qui sont en train de me regarder en direct, vous êtes bien, bien courageux, hein, parce que franchement, moi, il y a 10 ans, j'aurais pété la console en deux là. Lynn is being controlled by her. I have to find her and stop her at once. I beg you. I have to be quick. I have to find that fucking bitch there upstairs. Maybe I can use my power. Oui, oui, ben on l'a trouvé. Hein. Fuck, I've been hurt. I've been hurt. Qu'est-ce qu'il y a, faut le faire à un moment précis où elle est quelque part. Help me, I beg you. Étourdissez et désarmez Lynn. Utilisez l'œil de papillon. Mais on l'a fait, on ne fait que ça. I have to concentrate. I can do it. Non, en plus, il n'y a même pas de danger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que regardez. Elle me tire même pas dessus, enfin. Help me, I beg you. Puis là, ce truc qu'on peut, on les traverse, c'est insupportable, quoi. En plus avec l'arme qui l'évite, c'est complètement con, quoi. Help me, I beg you. Moi, je viens de péter des briques sur le dos. Hein. Non, il faut aller faire un truc à l'étage avec elle, mais... Regardez, quand on peut faire un truc, c'est...
Je vais répéter les mêmes trucs, mais regardez, c'est ridicule, quoi. Alors, je vais reprendre une brique. Je vais essayer de bien l'envoyer sur elle. Ça se trouve, c'est un truc tout con, il faut appuyer sur un bouton au moment où l'autre elle est en. C'est sûr que c'est un truc tout con en plus, mais c'est tellement mal expliqué, c'est tellement mal fait que ça en devient si risible. Jaren, help me! Lynn is being controlled by her. I have to find her and stop her at once. Moi, franchement, je connaîtrais pas le producteur et le directeur là, j'arrêterais d'y jouer. Hein. Là, ça me saoule. Et je regarderai un let's play de quelqu'un qui sait y jouer pour avoir l'histoire. Parce que l'histoire est. L'histoire. De quoi il veut ? Non, non, là, c'est insupportable. C'est à croire que personne n'a fait de bêta test ou je sais pas. Là, c'est. Bon, et alors maintenant? Je sais pas, j'appuie sur tout. Hein. Quoi, il faut le faire deux fois? Bon, déjà, si ça la traversait pas, ça serait bien. Bon, là franchement vous aurez remarqué que j'ai pas dit de grossièreté encore hein. Mais là franchement c'est insupportable là. Je comprends rien, j'ai pas envie de m'énerver pour rien. C'est un jeu vidéo, c'est censé être distrayant, mais là regardez-moi ça quoi. Voilà, ok, et là. C'est bon là, Lynn, donne-moi ton flingue. Non, I don't want to hurt you. Mais en plus, je sais même pas qui parle. C'est Lynn qui me parle, je veux pas te faire du mal, ou c'est moi? Les voix se ressemblent. Je suis sûr que je touche pas la manette, il se passe que dalle quoi. I have to find a way to stun her and disarm her. Bah là, elle est étourdie. Hein. Là, je suis sûr que je peux poser la manette. Il y a l'autre qui tourne en rond. Il y a l'autre qui tourne en rond, comme ça. Et puis l'autre qui... voilà. En fait, je pourrais me casser en vacances. Là, je pars en vacances. Elles sont comme ça pendant 10 ans. Lynn est being controlled by her. I have to find her and stop her at once. Non, mais faut que tu la trouves. Elle est derrière toi. Non mais il y a un truc que j'ai pas vu, c'est pas possible. Il y a un truc que j'ai pas vu dans le décor. Oui, ça va me mettre très mal à l'aise quand je vais être obligé de... Qu'est-ce que là quoi, c'est une brique. Bon. Ça va me mettre très mal à l'aise parce que... Qu'est-ce que... C'est dommage, qu'est-ce que c'est dommage, parce qu'en plus les décors ils sont pas vilains, y a une ambiance quoi. Mais là... Et puis même quand on appuie putain pour faire le pouvoir, ça marche une fois sur deux quoi, vraiment, c'est... Il faut absolument que employer des gens qui savent faire un jeu vidéo. Il faut que Chris Darryl il s'entoure de mecs qui savent faire un jeu vidéo. Il a des très bonnes idées. Et... Mais ça suffit pas quoi. Gloria, là she is. I saw her. Quoi, il faut le faire deux fois? J'ai l'impression qu'il faut le faire deux fois le pouvoir peut-être. Et regardez le pouvoir. Le pouvoir s'est arrêté d'un coup.
vais lui faire deux fois. Hein. La deuxième fois, ça l'a remise debout. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. Hein. Je m'arrête là, je suis désolé. 1h46. Je sais pas si je ferai une partie 3 parce que. Alors, peut-être, attendez, on peut la bousculer. Étourdissez. Elle est où? Puis regardez, elle disparaît à des moments. Voilà, elle est là. Non, mais j'ai pas envie de lâcher l'affaire en plus. Mais de toute façon, personne va mourir, personne fait du mal à personne donc. Non mais c'est ça en fait, il faut que je le fasse une fois sur la vieille, ça se trouve, hein, une fois sur la vieille et une fois sur Je sais pas, dans sa tête à eux, ça a dû être tout simple. Ok, et maintenant je me mets bien en face d'elle. Voilà, je l'ai fait deux fois. Même c'est ridicule, quoi. J'espère qu'il va pas regarder ma VOD. Mais c'est pas possible, quoi. Il faut qu'il s'entoure de mecs qui savent l'aider pour. Parce que son univers est excellent. Mais il faut absolument qu'il se fasse aider par tout ce qui est collision, bug et machin, quoi. Parce que là, c'est pas possible, c'est pas. Putain. Non, puis j'ai envie de savoir la fin de là du jeu, quoi. J'ai envie de continuer, moi. J'ai envie de jouer. Ouais, voilà, faut que je trouve. Putain, mais j'ai. Puis des fois, le pouvoir s'arrête, on sait pas pourquoi. Enfin, on sait pourquoi, parce qu'il est plus plein, mais des fois, il est plus long. Alors, faut peut-être le faire à un moment. Je sais pas, il y a peut-être un truc évident que j'ai pas vu, mais ça me. Là, c'est des spectateurs qui peuvent m'aider et ou qui regardent même sur le internet comme ça. Regardez, là ça s'est arrêté tout seul. Je n'ai rien fait. I have to stun her way too. Help me, I beg you. Puis je trouve des clés papillons, oui, c'est très bien. J'ai l'impression qu'il y avait un moment donné on pouvait la. Ok. Et là Lynn, je vais le faire tout de suite. Bon, j'arrête là. Allez hop, j'arrête là, je suis désolé.
Bon, je suis là, c'est... Il y a un moment donné, j'ai 41 ans, je joue à des jeux vidéo pour le plaisir. L'histoire est excellente, les personnages sont très très bons. Si c'était un film, j'adorerais, mais bon voilà, c'est injouable. C'est injouable. Là, je pensais pas dire ça, mais c'est injouable. C'est complètement injouable. C'est buggé de partout. Enfin, pas de partout, mais bon, chaque séquence est un calvaire. Voilà, c'est un calvaire à jouer, c'est vraiment dommage. Voilà, je peux pas en dire plus. Donc je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vais certainement streamer dès demain Resident Evil 7, je pense, ou un Dead Space, quelque chose comme ça, un Survival Horror un peu plus dynamique. Voilà. Merci pour ceux qui me suivent hein, sur mon Instagram et sur mon. Vous avez les. Instagram Bosson14, YouTube Bosson14 et bien sûr Twitch. Voilà. Bon, bah, excusez-moi hein, pour cette séquence laborieuse. Voilà. Je vous embrasse fort, à bientôt.